Salut à tous, c'est Fox de la 7ème compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour la 16ème vidéo commentée. Alors, commenter, c'est un grand mot pour cette vidéo puisque ça sera commenté juste pour l'intro et certainement pour la fin de cette vidéo. Puisqu'aujourd'hui je voulais vous présenter la fameuse Big Expédition numéro 3 que Donald organise pour ce vendredi 8 février. Donc comme vous pouvez le voir à 21h sur son Mumble et à 21h30 en jeu. Donc le but de cette Big Expédition numéro 3, c'est qu'en fin de compte on soit plus de 75 et je pense qu'on y sera puisque on est actuellement sur son site officiel dans le forum, là où je me suis inscrit. Je crois que c'est à la page numéro 4, voilà, c'est ça. Et à savoir que à l'heure actuelle il y a 7 pages de fait. Et par page, il y a 20 postes demi. Donc on peut penser que on est plus de 130, enfin 100, entre 120 et 130 personnes qui veulent participer à cette Big Expédition numéro 3. Et ça va être un truc encore assez énorme, comme le dit justement Donald dès le départ, vous voyez dans son poste. Et pour ça, il a préparé une petite vidéo qui explique en fin de compte là où il faut se rendre, une toute petite vidéo de 3 minutes où il faut se rendre et bien sûr à 21h sur son Mumble, 21h30 en jeu, voilà. Alors moi ce que j'ai voulu faire, c'est en fin de compte faire cette petite intro pour ensemble on va préparer mon personnage. Donc à savoir que j'ai quand même joué toute la matinée de ce vendredi pour pouvoir préparer mon personnage au mieux et sans faire comme dans la Big Expédition numéro 2, me retrouver au bout de 16 minutes mort parce que j'ai été trop gourmand. Je l'ai vu dans les commentaires et tout, j'assume. C'est vrai que j'avais tout ce qu'il fallait et je me suis empressé d'aller prendre un casque et une arme de plus et en fin de compte je me suis fait shooter par Mojal de la team Nemesis qui nous ont tendu un sacré piège, voilà. Donc vous pouvez voir, vous avez vu en une demi-seconde la carte où Donald veut qu'on se retrouve, à cet endroit même. Donc à l'heure actuelle j'y suis, j'ai pu y arriver tranquille, en chemin j'ai pu récupérer pas mal de trucs, c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite en jeu pour la préparation de mon personnage. Voilà, alors on se retrouve dans le menu du jeu sur mon personnage L7C Fox et qu'on va équiper ensemble et le préparer pour cette Big Expédition numéro 3. On va se retrouver voilà dans l'inventaire global. Ça c'est tout ce que j'ai pu trouver, ramasser, plus à savoir aussi donné par les développeurs du jeu comme le katana. Ça c'est ce que j'avais eu au départ. Alors on va commencer tout de suite par le sac à dos puisque là le sac à dos que j'ai, je peux pas porter plus de 10 kg et je pense qu'avec l'arme, le casque et tout le tralala, je vais dépasser. Donc ce que je peux faire, c'est donc alors en sac j'ai 3 large packs, donc je vais en prendre un. Voilà, je vais faire le changement tout de suite puisqu'on est avec le small pack actuellement et vous allez voir, on va passer à 20 kg je crois. Voilà, hop, d'accord. Voilà, on est passé à 20 kg maxi. Donc on est équipé du large pack. On va revenir dans l'onglet des armes. J'avais pensé prendre le M4, le fusil d'assaut. Voilà, il est équipé donc de 30 balles, ce qui suffira je pense. On verra. Munitions, c'est pas la peine parce que j'ai pas de chargeur M4. On va prendre, comme j'ai deux haches, on va en prendre une. Voilà. Et ensuite, voilà. Alors là, je pourrais prendre. Je vais prendre ça, c'est style gilet pare-balles. Je pense que c'est comme un gilet pare-balles. J'ai celui-là aussi, c'est vrai que je pourrais prendre celui-là. Ouais, allez, je vais prendre celui-là. Et vous voyez, on est déjà à 6,6 kg avec tout ça. C'est énorme, ça va très vite. Donc si j'avais pris si j'avais gardé le small pack à 10 kg, ça aurait été chaud. Donc on a ça, et il nous faut le casque. Voilà, le casque il fait 1 kg.
et ensuite la bouffe. Voilà, alors pourquoi la bouffe qui est importante, puisque la dernière fois je commence à prendre de l'eau tout en parlant, c'est que je me suis aperçu, et même Donald et tous l'ont dit, c'est que sur les 3 heures de vidéo, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup aussi, malgré être tués par les Némésis, ont eu pas mal de soucis avec la flotte et la bouffe. Donc je vais prendre 5 bouteilles d'eau, 3 boîtes de pâté pour chat. ouais, allez, il m'en reste 3. Je prends du thon, je crois. Je crois que c'est du thon. On va prendre 2 boîtes. Je vais prendre 2 canettes de coca. Voilà, donc déjà au niveau bouffe, quand même, je pense que je suis assez tranquille. Ensuite, au niveau des soins, ben, je peux prendre 2 painkillers pour remonter ma vie, mais des antibiotiques au cas où. Et allez, 2 bandages. Voilà, donc là on est quand même, enfin je pense que je suis bien équipé pour au moins faire une bonne partie du jeu. Franchement, avec ça déjà, si j'utilise ça vraiment consciemment, enfin correctement, je pense que je pourrais aller loin quand même. Loin bien sûr, à essayer de faire les 16 minutes de plus que j'ai fait dans la Big Expedition numéro 2. C'est vrai, je l'avoue, malgré dans les commentaires, certains m'ont dit que j'ai été trop gourmand à vouloir prendre une autre arme et tout. C'est vrai, je le reconnais. Je suis mort connement lors de la Big Expedition numéro 2. J'en voulais plus encore. Donc là, cette fois-ci, à savoir que si jamais je meurs, je perds tout ce que j'ai là. Je pense pas qu'il sera possible de le récupérer. Je verrai, je sais pas du tout. Donc ce qu'on va pouvoir mettre directement dans les raccourcis, c'est au moins les bandages, painkiller. Voilà. Et je peux mettre l'eau. Et puis l'eau, voilà. Antibiotiques, non, on va mettre la bouffe au cas où. Voilà. Donc voilà, déjà je pense qu'on est quand même bien équipé. Voilà, on va retourner sur mon personnage, aller directement dans le jeu, comme ça vous allez voir le point de rendez-vous, là où on a vu juste avant dans la vidéo de Donald, de présentation de la Big Expedition numéro 3, là où il veut qu'on se retrouve. Donc là je peux prendre n'importe quel serveur, je risque absolument rien puisque je suis dans une safe zone, donc peu importe, je vais prendre, allez, celui-là, serveur à 100, que ça soit 150, c'est pas grave. Alors, bien sûr, je rappelle, hein, pendant le petit temps de chargement, tout ça se fera, j'espère que je serai sélectionné, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 100 personnes qui veulent participer, ça va être très dur. Comme vous l'avez vu, on ne peut pas avoir des serveurs encore privés, donc c'est pas encore acquis, la fonction n'est pas encore acquise par un Homerpoint, puisque... c'est pas encore fait, donc on est obligé de prendre des serveurs où il y a déjà du monde. Voilà, donc alors voilà, là on est en jeu dans la safe zone décrit et le point de rendez-vous donné par Donald. Donc avec mon équipement, mon large pack, mon casque, mon espèce de gilet pare-balles et toute ma bouffe que j'ai, tout ce qu'on vient de choisir dans le menu du jeu dans l'inventaire pour que je puisse commencer cette aventure correctement. J'ai pas d'excuses, je pense qu'avec ça je peux aller loin. Et ensuite, voilà, le point de rendez-vous. Alors, faut savoir que j'ai joué une heure et demie avant d'arriver là, puisque, bien sûr, j'étais, comme par hasard, mon personnage a réapparu vers là ou vers là, je sais plus. Donc, j'ai dû tout traverser. Je crois même que je suis passé par là. Et donc, voilà. Alors, le point de rendez-vous, comme vous voyez sur la carte, eh bien, il est en haut, il est là. Voilà, ça sera le fameux point de rendez-vous dans quelques heures à plus de 80 joueurs normalement, et je l'espère, et d'où j'en ferai partie. Voilà, donc à la suite de tout ça, va s'enchaîner la vidéo de Donald, normalement, qui à l'heure actuelle n'est toujours pas faite puisque je n'ai pas encore participé à l'événement. Donc on se retrouve juste après la vidéo de Donald pour une conclusion sur la soirée et tout ce qui s'est passé. Voilà, allez, je vous dis normalement. A tout de suite en jeu. Ouais, faut que t'insistes, Cruz, faut que t'insistes. Ah, pas de chance. Un truc de malade. Dodo, t'aurais dû prendre un chapeau voyant qu'on puisse savoir où t'es. Ah non, j'ai pris Nette Vision parce que j'avais peur qu'on commence dans la nuit en fait. Ah, mais t'aurais dû. J'avais peur de commencer dans la nuit, c'est pas ça. Non, mais d'accord. Passez pas par devant, sortez pas par devant, on va passer par derrière. On va passer par derrière et puis on va passer directement, on va frôler Coco Pond et puis un passage apparemment que je ne connais pas. Moi, je vous dis, faites gaffe, il y en a plein qui sont pas des clans et puis qui nous attendent. Comme là je crois, non, c'est un pote. Non, par contre faut me couvrir les mecs, hein, je compte sur vous, hein. Parce que si je meurs c'est fini, hein. Ah, faut tout seul, hein. Si je meurs, si je meurs, je vous banne tous, hein, je vous préviens. Faites en gaffe, même temps, hein. Comment rater une blonde
Ah ouais, il a gardé le même perso là. Il a 20 body armor quoi. Il a 20 mecs devant. Faut insister les mecs, hein. Faut vraiment, pour ceux qui arrivent par joindre le serveur, faut vraiment insister. Tu vois, t'as le gaming full, tu renchaînes derrière. Ouais, y'en a pas avec nous. Je pense pas qu'on va trop se faire niquer par des gens parce que vu qu'on a eu du mal à rejoindre le serveur déjà. Alors, ouais. Apparemment, quelqu'un dit qu'il y a un mec. Par contre, faut pas parler dans le proximity, parler dans le canal 3, c'est pas très malin de parler dans le proximity. Ouais, parce les que c'est un peu grillé. Il y a 3 mecs ici. De toute façon, on est un peu grillé tout court. Tu les ouais, je balader ensemble. À votre gauche. Non, c'est sûr, c'est juste que quand tu donnes une information qui. Tu vois, genre, il y a un mec au blazer. Il ouais, y a un mec à notre gauche. Si c'est qui l'a repéré, c'est moyen. Il y en a un qui est allongé ici près de moi. Il y en a un là en face. Et il y en a un autre qui est caché quelque part. Ah, mais c'est génial de voir toutes ces. Flèches, franchement. Ah, ça y est, j'ai réussi à me connecter. Ah, mais gros, pas comme ça, ok, c'est attends, on va attendre 2 minutes parce qu'il n'y a pas Cruz quand même. Attends. Spartiate quand même. Faut qu'on réfléchisse quand même comment on va calculer ça. Les pierres retardataires, dépêchez-vous. Dès qu'on arrive à se démerder pour. Je suis monté sur la pyramide de gens sur la table, j'ai monté direct. Pierre. Bon, on est 80 quand même. Derrière le tracteur, Donald. Ah, c'est bon, en high j'arrive à tourner à 30 fps. Malgré moi. Moi je dis pour qu'on puisse sortir d'ici, ça va falloir courir. Je suis sûr. Ouais, ouais soit on que... court, soit. Ouais, je sais pas. Soit est-ce que, bah, est-ce que des gens parmi vous. Non, y'a personne qui a des snipers, on a tous des M4 en plus et si, tout. Si, y'a Black Sabbath. Oh la blague. Ouais, j'en ai un. T'es où, Gardeux? Y'en a certains qui ont des snipers. À mon avis, faut aussi découvrir les snipers. Ok. À ta droite. Et Donald, je vois rien. Putain, lol. Ah, t'es flingue, ok, c'est parce que t'as le flingue, d'accord. Ok. J'ai cherché le stuff dans là. Et Donald, j'ai spammé pour entrer dans le serve, tu sais ce que ça fait? Non. Ça m'a mis sur un autre serve. Lol, c'est une gueule. Je te jure. Ah, t'es pas sur le bon serve alors? Non, ça m'a. Bah, j'ai spammé pour rentrer dessus et ça m'a mis sur un autre serveur. Non, t'as spammé sur le mauvais, c'est tout. Non, c'est obligé, j'arrête pas là. Je join. Ah, c'est bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer parce qu'on peut pas guérir plus longtemps. Mais Cruz, bah, faudra que tu missionnes pour nous rejoindre, hein, du coup. J'arrête pas. Join. Bon, on est parti, on y va. Ouais. Venez, on va longer à droite. Faire attention, s'il vous plaît, aux blazers. Toujours par ici, hein. Par contre, rappelez-vous la dernière expédition, ce qui s'est passé. On s'est fait défoncer, etc. Maintenant, il y a quelqu'un d'hostile. Non, il y a moitié qui s'est défoncé, même plus. Bref, il y a quelqu'un d'hostile. On lui arrache la gueule. Ouais. Pour résumer simplement. Ah, Blech, il est mort. Ouais, super. J'aime cette entente. Tue-moi un plot là qui est sorti. Du coup, là. On va à Smallville ou pas là? Non, on récupère pas Smallville. On va à Ecocampo, donc on récupère pas Smallville. Direct, ok. Ouais, derrière l'arbre, bon. Ah, il s'est allongé. Je sais pas qui c'est qui va sortir de la safe, les gars, mais y'en a un devant moi qui a pas de flèche, vous allez le prendre plein la gueule. Moi, je suis en dehors de la safe, moi. Je puisse prendre sa place sur le serveur là. Allez, qui nous a sorti le teddy bear? Par contre, regarde, c'est Black Sabbath, ton pseudo. Excellent. Ah? Ton pseudo c'est Black Sabbath? Ah, il s'appelle Ya. Il est derrière le caillou là. Putain. Mais quel caillou? Parce que moi je suis en dehors de la safe. Par contre, on passe pas par contre, on passe à droite. En fait, on a un réflexe de merde, mais c'est à gauche qu'il faut aller. Non, mais y'a un canard là. Venez, on va à gauche, on s'en fout. Laissez-le, il va nous. Tue-le! Hop, je l'ai cherché avec 3 balles, ça sert à rien. Allez, c'est bon. Faites attention à pas dégommer vos collègues par contre, faites attention. Ah ouais, ça c'est. T'as des mecs derrière qui vont nous suivre? Oh putain, le flare gun il m'a fait peur. Faites attention. Tu restes pas pour rien, les gens. T'es un de deux derrière toi. Une nouvelle, c'est un point d'un clan. Il y a un mort, les gars. Non, mais je crois que c'est un mort qui n'a pas de flèche. Ouais, c'est moi qui l'ai tué, il avait pas de flèche. Ah, c'est cool, je vais pouvoir rejoindre là. Allez. Derrière. On se fait pas trop remarquer. Non, il y a non, deux personnes qui sont là, pas d'un clan. Oh là là, mais toutes les flares, vous êtes sérieux? Avancez, dépêchez-vous, ceux qui sont derrière à la traîne, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, avancez. Marque l'événement, quoi. Si quelqu'un du clan. Ça fera à confiance, hein. Eh non, mais tout le monde tire sur quelqu'un qui a pas de flèche, mais il est dans la 107, là. Oh là 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 là. Lol, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer la montagne. Je vous propose de longer la montagne jusqu'au passage après. Non, mais. Non, je me fais tirer dessus. Ouais, mettez pas des flares, pensez aux gens qu'on config pas forcément bien et qui galèrent, quoi. Bah, c'est marrant. Ouais, mais bon, les gens qui sont à 3 FPS, c'est moyen, quoi. Ouh là là. Oh là là, sans l'idée, c'est quand même de jouer un maximum en groupe et pas mettre des bâtons dans les roues des collègues, quoi. Parce que sinon, ça va être assez compliqué. Oh, mais je me suis fait tirer une balle. Non, mais c'est franchement génial de se dire que. Enfin, avec pas trop d'abonnés, on peut quand même avoir.
Enfin, faire des trucs comme ça. C'est... Imagine le mec qui a 100 000 abonnés qui fait une expé comme ça. Ah, mais ouais. Le mec bah là, qui fait le record du monde sur WarZ. Hein. Il y a jamais autant de monde au même moment sur WarZ. Ah, c'est une certitude. Ouais. Hein. Déjà impossible parce que savoir, il compte pas plus de 100 personnes. Donc. Non, mais c'est pour ça, là, c'est le record du monde. Les mecs, vous faites tous partie du record du monde. Bravo. Ouais. La barre. Je suis ému là. Ah, c'est un grand moment. C'est un grand moment. Bon, on fera la même chose sur un autre jeu. Historique. Bah, sur DayZ en standalone. Ah, ouais, sur DayZ, ça c'est sûr. Après, les serveurs peut-être. Est-ce qu'ils... Ah, si, 650, quand je crois. Les serveurs, c'est ça seront... Ouais, ils on pourra avoir plus de personnes. Ah, déjà, vous avez vu la taille de la map comparée à WarZ. Ah, non, mais c'est sûr, mais bon, WarZ. 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 Bref, WarZ. WarZ. Et en fonction de l'envie. Sur les prochaines cartes, on pourra avoir plus de slow d'ailleurs. Ils ont menti un petit peu sur le. Comment dire, sur la taille de la carte. Un petit peu. Un petit peu. Donald, t'es. Non, mais je parle pas des 400 km². Ouais. Ouais, bah justement, je me sens bien, tu vois, là, j'ai pas peur de mourir, une balle perdue. Il y en a un, non, dans ouais, le c'est pas une balle perdue là. Bouclier humain. Ah ouais, mais le bouclier humain, c'est fou. Ouais, j'espère que vous avez tous pris de la bouffe et de l'eau. Ouais, par contre, la bouffe et l'eau, là. Moi j'ai rien, moi. Moi j'ai super envie de gérer. On avait prévenu que tout le monde fallait en champagne. On avait prévenu les mecs. Moi j'ai du coca. Moi je sais pas si ça va suffire, mais. J'ai 3 canons de soupe l'XP, et je balancerai un MRE au pif. Ah, ouais, c'est cool. Vous battrez pour l'avoir. Ah, ça tire. C'est des côté gauche, côté gauche. Ouais, j'ai fait ça au début de la partie, je me suis amusé à draper des sacs d'achep un peu partout. Dedans encore, cet enculé. Par contre, tout le groupe ne courait pas, marchez tranquillement, d'accord. Parce que ouais, ça permettra aux gens qui galèrent derrière d'avoir une chance de nous rattraper quand même. Il était loin. Parce que sinon, on commence à galoper aussi, c'est bon. En fait, il y a des mecs derrière. En fait, si tu veux, moi j'étais dehors de la CF. Et lui, il a dépassé ma ligne. Donc j'ai cru qu'il était sorti. À croire qu'ils sont FK, en fait, les mecs là-bas, en fait, la safe, elle est plus haute. Non, il y a des mecs qui peuvent pas putain sortir de sa mère. La safe. Y a des putain, et franchement, on a un troupeau de moutons, quoi. C'est un là, y a un mec qui tire, mais tout compressé, hein. En plus. C'est un truc de balle, il fait 8 kills. Hein. Mais ouais, franchement, t'imagines, tu tombes sur 80 personnes. En une rafale, quoi. Non, mais en fait, ça marche pas, les... Et comment. Tu peux pas faire de brochette. Par contre, vous voulez pas qu'on descende là, je sens le gros fail et tout, c'est le vieux bug ouais, de merde. Ouais, descendez. Ouais, faites le tour. En sautant, hein, vous faites retour en arrière, les mecs. Gros fail, c'est tout l'XP, saute, hop. Ah, comme des merdes. Oula. Oh. Tirez sur qui sniper, non. C'est Black Sab qui a tiré au M107 sur quelqu'un c'est au moins, je crois. Je sais pas quoi là. Donc rassurez-vous, tout va bien. Voilà, il confirme, il a tué quelqu'un. Bien joué. Ouais, enfin, on a plus de temps pour pouvoir arriver alors. Putain, on est tout à l'heure, jour, mais ça va quoi. C'est bon, Cruz. Non, ça marche pas, putain, c'est un truc de malade, j'arrive pas là. Depuis que vous parlez tout à l'heure, je spam les applis Twitter et tout. Je te vois flotter, gros. Je spam, c'est magnifique. Malade. Oh my je god. On va buter Donald pour te faire une place. Gros, je vais finir, il va avoir une crampe dans le doigt. Ah, mais je te jure, j'ai pas de spammer. Pas moyen. Y'a pas une place, quoi. Et boum, Cruz. Oh, faut que t'insistes, il y a forcément des gens qui vont partir. J'arrête pas. Il faut que j'applique Twitter à chaque fois ou je mets juste join server? Non, tu fais join server oh, à l'infini jusqu'à oh, ce non, que ça passe. Oh, y'a un zombie là. Attention à toi parce qu'il y a des campeurs au safe. Ouais, ça va être chaud. Par contre, on tue les zombies au flingue. Vous pouvez tuer les zombies au flingue. Tiré les zombies faut juste faire en sorte que les mecs de derrière ne tirent pas sur les zombies, tu vois. Pour pas que ça touche des collègues. Ouais, ouais, que les mecs de devant qui tirent. Fais attention à ça, les mecs. Ah, c'est quoi ce délire là? Il y a un seul zombie et il y a 10 tirs quoi. Ah bah, moi j'ai tué un zombie avec une balle, perso. Là, il y a un zombie là, ouais. C'est bon, par je vais défoncer. Il y en a un peu à la traîne là derrière. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a un mec qui a pris un silencieux. Attendez, vous pouvez me cover 2 secondes? Faut que je mette mon truc, moi, je vais mettre silencieux. Mon ah, la même. Ouais, il y a Tarnat. J'ai dit okay, c'est bon, merci. Mais je me suis dit au final, c'est pas très utile vu que. Mais après, voilà. Au pire, j'ai un katana. C'est trop bien. Ah, mais Gardeux il a lâché son skin t-shirt bleu. Hein. Il est passé non, en mode camouflage. Ah ouais, camouflage à fond. Ah, mais il y avait des endroits super beaux qu'on aurait pu aller voir aussi. Bon, on fera ça la prochaine. Ah, bah de toute façon, on va faire le tour. Je pense qu'on va passer à Frosty. On aura peut-être le temps d'aller à la station météo. Tout ça, on va se balader tranquillement. Ah, il y a un zombie. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit peu un chemin. Faut passer à droite là, non? C'est ça? Attends. Non, c'est tout droit pour Echo. Ouais, tout droit. Si, c'est là, c'est... Non, mais on s'en fout, on monte vers Frosty, on va pas passer à Echo. Bah, ah, toi, tu voulais faire Echo Boulder? Non, on va direct à Norad et on tout. Passe, ouais, on passe par la Norad. En fait, l'idée, c'est que si on voulait nous tenter dans du buscade, tu vois, parce que bon, c'était pas. C'était un chemin un petit peu pas très prévisible. Ah, on commence pas avec de l'eau. La blague. Si au bord de l'eau, tu bois ta piste, tu te démerdes. Bah, les Nemesis, ils ont pas dû trouver le serveur. Non, ils nous attendent peut-être à. Ouais, mais je pense que vu le monde qu'il y a, ils ont pas pu rejoindre. Ouais, ils ont ouais, pas pu rejoindre le serveur aussi.
Moi je peux toujours passer de l'eau, mais c'est à la limite là, si le gars y en a besoin. Il y a un gars qui tire de... par derrière, les gars, faites gaffe. Ouais, c'est bien pour toi-même derrière. Bon, on est pas mal. Je crois que le convoi, ouais, on est à peu près tous là, hein, sauf ceux qui sont vraiment trop loin, quoi, mais. Ouais, de toute façon, on est franchement pas mal, ça c'est vraiment cool. Hein. Il faut une paire de jumelles à l'arrière. Hein. Comme ça, je pourrais sniper le mec s'il est là. T'es mort, toi, ça prend ? Je suis à l'arrière et j'ai une paire de jumelles. Ok, vous me dites si vous voyez. Ça marche. Mais en fait, là, du coup, ça va peut-être être de la grosse randonnée, hein. Ça tire. J'ai pris une balle. Il est où le type ? Moi j'ai entendu des gars qui tapaient au marteau, là, c'est pas ce délire. Non, au silencieux, c'est un silencieux. Ah, c'est un silencieux. Ouais, j'ai vu quelqu'un qui a pissé le sang à côté de moi là. Ouais, mais t'as sûr, dès qu'on va tomber dans une ville, ça va être sympa. Hein. Ils essaient déjà de plomber tes gardes. Attends. Ah, c'est pas sympa, hein, merde. Acla météo, j'ai apporté un peu plus de soins par exemple si y'a quelqu'un qui en a besoin. Celui qui fait un misclick headshot sur Donald, il se prend. Ah, et puis garde, t'as oublié un truc, hein, la petite dédicace quand même, non ? Ah, exact, dédicace à toute l'équipe FGKS, c'est-à-dire Papa, CJ, Trix. Mais du coup, vous avez créé la team carrément à cause de ça ? Ouais, on a fait une petite team, ta père. Si. Et tu m'as même pas invité, tu te rends compte, je te bute ? Bah non, tu t'es venu qu'il y a que deux vous jours. Vous butez garde, j'en ai rien à foutre. Votez 3. Et en là, plus, il a une blague. Hein. Tout le monde qui tape une blague, il te met une petite balle dans le pied, tu vois, bah du coup, tu meurs. Non, mais on l'a fait parce qu'on est obligé pour les geysers, quoi. Ouais, carrément, je comprends. Mais toi, vous avez pu garder les bénis, hein. Team quoi, au moins ? Team CSS. Ouais. Team CSS. Ouais, je me suis remis à CSS aussi avec les collègues, là. Ça change, c'est sympa. Non, mais oh, on est pas au taf, hein. Ah non, ça va, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Moi, j'ai appris à jouer à Garde d'honneur. Il était pas très fort. Là, c'est vrai qu'il est un peu pourri. Oh, monsieur Oz. Ça fait 3 ans que j'avais pas joué, même plus, hein, carrément plus. Hein, c'est super longtemps. J'arrive et tout, et je l'ai dépouillé le petit garde, hein, quand même. Hein, bah, je pense que j'ai commencé à jouer en même temps que toi. Même Dan Patate, hein, je t'ai roulé dessus, hein, faut dire ce qui est. Hein, bon, Dans CSS ouais. Pas vite, hein, non. Je t'ai simplement montré que ça veut dire l'effet de surprise. Ah oui, l'effet de surprise, d'accord, le côté mauvais de la surprise, d'accord, je vois. C'est vrai qu'il faut pas faire dans le jeu. Je pense que je vais laisser tomber là, Donald. Hein. J'y arrive vraiment pas. Hein. J'arrête pas de spammer. J'arrive pas du tout à te connecter. Ouais, attends, peut-être que. Ah, tiens, suffit d'en parler pour que. Putain, j'aurais dû en parler beaucoup plus tôt, quoi. Par contre, tu vas devoir taper la mission pour nous rejoindre parce qu'on est déjà bientôt à Dorade. Ah, je vais en chier, j'avais su, j'aurais prévu des barres chocolatées, des granola bars. Ouais, les granola bars, t'aurais couru tout le long, quoi. Qui c'est qui. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils filmaient. Envoyez-moi un message dans le clan pour savoir qui filme. Comme ça, je vous dirai, enfin, vous serez dans la description. Quelle générosité. Alors. Ok, Amloa. Ouais, non. Donc dans la description, je vais mettre The Hunter. On n'a pas demandé vos pseudos, les mecs. Hein, ouais. Tais-toi. Oh putain. Ouais, c'est les chaînes qui. Tyrannise. Tyrannise, c'est qui ? Bon bah, je mettrai les chaînes dans la description. Enfin, faut m'envoyer vos chaînes. Bon, bien sûr, il y aura celle de Donald. Oh, que c'est gentil. Tu peux quoi ? Ouais, c'est un petit YouTube. Je vois des flèches bleues pas très loin. C'est des gens qui sont morts dans le groupe ? Non, les flèches bleues pas très loin, c'est les mecs qui là-bas. Sont FK, oula, qui se touchent, regardez ce qu'ils font. C'est tout exactement ce qu'ils font. C'est se ramène. Bon, les gars, c'est Sopra qui parle. Je suis encore à la safe parce qu'il y avait des mecs qui nous attendaient et ils sont 10 à la safe là, sans flèche. Ah ouais, d'accord, ils sont en train de se faire. Je pense que vous allez pas trouver grand monde sur le serveur. Ah ouais, 10 à la. Attends, il y a 10 à la safe. Il y en a 10 à la safe avec moi là. C'est quoi leur team, si tu peux lire ? Leur quoi ? Leur nom de team. Leur nom de clan. Les initiales, ouais, quoi. Faut qu'ils arrêtent de bouger. Oh. Ouais, attends, je vais essayer de regarder en table. Ouais, c'est pas bien. EDLM. Non, attends, EDLM, vas-y, viens ici, toi. CRLD. Lui, il en a pas. Parce que je crois que t'as d'autres plans aussi, d'autres autres que les Nemesis qui voulaient notre. CRRD. Ouais, il y a un CRRD, c'est quoi ? Ils sont au moins 4. Je connais pas. Crix, c'est le gardien de prison, en fait. Il va rester à la safe pendant tout le temps. Je crois que je suis jamais passé par là. Ouais, moi non plus. Ouais, bon bah moi je suis en retard, Donald, je suis devant, à la safe, mais je vois pas mal de monde. Il y a un qui vient de mettre un coup de couteau, c'est très bête. Ah, moi j'ai un couteau, mais... Ouais, j'ai entendu. Un garde, il y a un petit groupe, du coup mon petit groupe, on va venir vous rejoindre, mais il faut les rajouter dans le clan, quoi. Je peux pas les rajouter encore. On peut pas, moi c'est même pas la peine, je suis en train de stream, enfin d'enregistrer, si je rajoute...
Ah, d'accord, ouais, ce serait bizarre. Bon, bah, les deux là qui ont une flèche avec moi là, vous venez. Je saute avec le masque à gaz. Ah, de toute façon, l'idée, Nora, ça serait de se retrouver. Mec. Hein. Ouais, mais vous allez où là exactement? Là, on va Nora. Ce qu'on peut faire, c'est se retrouver à Frosty, tu vois. On peut temporiser un peu à Frosty à la limite, tu vois. Vous allez aller à Frosty? Ouais. En direction ouais, Frosty. Comme on va camper au chalet, ça va être sympa. Ouais, ça peut être sympa, ouais. J'ai envie de tuer un zombie, ouais. On va faire une petite piste de ski tranquille, pépère quoi. Oh, je t'avais pas filé pour que tu gâches les balles sur des zombies. Et non, j'arrive à filmer à 30 FPS en ultra là, je sais pas pour toi. Enfin, t'as un meilleur PC que moi. Là, moi je suis en low, mais je filme à. Je suis à 30 FPS constant, mais je suis à 50. Enfin. Ouais, ouais, d'accord. Ouah, la peste que j'ai eu. Ouah! Sopra, t'es en safe encore? Ouais. Vas-y, j'ai revu. Tire là. Putain, vous avez pas visé les mecs. Tu peux essayer de t'en retourner la safe. Il y en a une dizaine. Tu peux essayer de t'en retourner la safe pour décaler vers Clarion. On se re-shop et on fait le show mode. Je crois que la YAM il aurait même pas ouais, assez de balles. Ouais, si balle, tu hein. veux, on peut essayer. Puis il y en a un qui arrive pas quoi. Bon. Parce que moi je suis déjà mort, c'est pareil. Ah, ok. J'ai tué 3 mecs devant la safe et je me suis fait marave. Ok. Donc si tu veux, on se re-shop en bas de la safe et on va voir le chemin. Par contre, évitez de courir à fond devant parce attends, je vais voir avec. Parce que je suis avec Bolvar et. C'est vrai qu'on a des gros chutes d'FPS et ça se sent au niveau des configs derrière, tu vois. Du coup, ils galèrent pour nous rattraper. Ils avancent pas à vitesse normale, on va dire. Essayez de temporiser un peu vite fait. Il y en a une petite dizaine en retard là. Ouais, nous on est un petit peu à l'arrière là avec Black pour voir ce qui se passe derrière. Ok. Fais gaffe aux zombies. On va avancer jusqu'à Norad et on se retrouve tous là-bas. Ouais. Moi, non, je peut-être non, à Frosty c'est mieux je pense. Parce que. Enfin, après ça dépend, c'est de nous rattraper avant qu'on fasse le tour de Norad, mais. Prenez à gauche en fait, je crois. On pourra bien se positionner à Frosty en fait, tu vois. Ouais, mais si les gens qui veulent pas aller à Frosty là, tout à l'heure, j'arrivais dans la ville, j'ai trouvé des night vision. Quelqu'un quoi. Pourrait venir avec moi sur la gauche. Vous avez peut-être eu chance d'en avoir. T'es où, garde? J'ai joué une flèche bleue. Oh là là. Vas-y, j'arrive avec toi, garde. Bon, bah, j'arrive avec toi. Vas-y, on va se découper en deux groupes alors. Il va y avoir du zombie là au moins. Ouais, on fait deux groupes. Un peu plus à gauche, s'il vous plaît, un peu plus à gauche. Un peu plus de monde à gauche. Plus à gauche. Ouais, on fait plusieurs groupes. Hein. On va faire deux groupes, ouais. Un groupe à gauche, ouais, un groupe à droite, on va vider tout et puis on se retrouve après. T'es où, Soso? Hein, Sopra? Ouais. T'es sorti là? Je suis à la safe avec Bolvar, Max et DJ Skisco. Bon, les mecs de gauche, je compte sur eux comme cover. Tu as dit, il faut jamais rester Rasco, mec, qui en est 97. Bah, Donald, DJ, il arrive, mais il y a juste j'ai fait une tirée sur un mec. À côté. Vas-y, je pose un 3 je vais juste devant, c'est chaud. Ah! Oh, des sous! Argent, argent! Alors, les gars, ceux de la safe sont partis. Et un petit groupe de 10 qui sont partis. Eh, mais ils ont pas de flèches, hein. Ceux qui ont pas de flèches, ils vont Waz, se faire tirer bouge pas, dessus. Je vais donner des heal d'avance. Waz, arrête de bouger. Bon, je t'ai tiré dessus. Y a des mecs qui partent. Voilà. Désolé, Waz, hein, j'espère que t'es full. Les zombies ne nous résistent pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Crew de Donald passe, les zombies. Très pas. Oh, ça tire à la safe, ça tire à la safe. Oh mon dieu. Ça y est, ils ont commencé le massacre. Y'a des pauvres mecs qui ont laissé agrouper dans le clan et tout, ils se sont fait canarder, je crois, la safe. Mais comme dit Midnight, de toute façon, on les attend à Frosty, les mecs, le petit groupe de 10 là. On va se positionner un peu partout autour dans la ville et ça peut être rigolo. De toute façon, je vais jumer, attends, on est 4 heures. Je vais être derrière eux là. On va se cacher, on va être invisible dans Frosty, ça va être le but. Va cacher 80 personnes, tu sais. On va le faire, t'inquiète. On va s'empiler. T'imagines quand il y aura des bus par exemple, genre on prend 10 bus. Il y a une frise bleue sur le hangar là. Ah, déjà moi le jour où il y a des scooters, je suis content quoi. Alors des bus franchement les jolis colonies de vacances. Bah, parce que sur DayZ on peut au moins avoir 3-4 bus. Ah bah ouais, après c'est le bordel, tu mets tout le monde dedans. Ouais. Ah, ce sera plus simple hein. Ouais, grave. On serait moins chier pour les XP. Personne derrière nous hein. Mais là, il y a un autobus qui explose, puis il y a la 3. Par contre, on va descendre parce qu'on peut pas monter encore plus haut là. Après, il y a un petit peu de montagne quoi. Je pense pas qu'on va crever sur. Non, si on descend au bout là-bas, c'est bon. Bon, on aura tout traversé. Je crois qu'il y a un truc. Wow. Non, c'est rien. Wow, c'était quoi ça? D'accord. Il fait mec qui loot le hangar. C'est Krix qui met des rafales. Mais c'est Krix qui met des rafales. Ah, mais Krix, c'est un gros taré. Je le vois là, c'est Krix. Il tire sur tout ce qui bouge, il tire même sur et les oiseaux. Il tire sur les oiseaux, tu sais, il tire sur les nuages. Bon bah, du coup, on va se regrouper au milieu. Par contre, il y en a qui traînent dans Norad, c'est pas très malin, les mecs. Hein. C'est vraiment, on passe quoi, on traîne pas parce que sinon. Ah ouais, merde.
Bon, attention, j'arrive, t'inquiète. C'est surtout parce que là, on va bientôt retrouver le peloton de tête, on va dire. T'as de loin, c'est impressionnant. Pire. Personne. Ah, un truc de malade. On dirait un marathon. Quelqu'un a une grenade. Faites gaffe à gauche, les mecs. Ou de gauche, zombie. En fait, tout le monde se réunit pour faire du jogging. Ah, t'es passé devant 80 moi. 80 personnes qui jettent une grenade. On va vraiment faire attention à pas passer devant les gens, j'ai fait de buter. C'est vrai que je tire ouais, plus partout, que mais... ça fait planter le serveur. C'est ouais, qui joue à... au Colt, là. Imagine 80 personnes qui tirent avec une automatique en même temps. Il a un granola, butez-le. Bah là, ça fait bug de son, hein. Allez, on attend le peloton de tête, on attend un petit peu, s'il vous plaît. Arrêtez-vous un petit peu le peloton de tête, on attend un petit peu que les gens arrivent. Attendez-moi, je suis tout seul. Arrêtez d'avancer un petit peu. Attendez, la Yamot. Parce qu'il y a la joie qu'il y a tout le monde qui galère derrière. Putain, je suis tout seul dans les bois, c'est à eux, je flippe. Il y en a un bloqué carrément, un fossé, quoi. Allez, on fait tous la chenille, allez, allez. Ouais, tous la chenille, les mecs, tous la chenille, allez, c'est bon. Ça fait un sacré truc, il y a 4 chenilles. Allez. Ouais, la chenille à 70. Je vous filme tous, je vous filme. Le premier arrivé à Frosty en chenille. Allez, on va tous à Frosty en chenille. Il y en a qui sont à droite là. Et on se dépêche, sinon moi je barre pas là, faites attention les mecs. Hein. Essayez de vous mettre tous les uns derrière les autres. Il y en a qui se mettent sur les côtés, putain c'est le bordel. Il y a des mecs qui nous voient, ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent. Grave. Ça me tire dessus, ça me tire dessus, ça me tire derrière, ça me tire dessus, faites gaffe. C'est bon, il a tué celui-là. Oh, on s'est fait fumer. Qui c'est qui a tué? Quelqu'un peut marquer dans le carnet de plan vite fait qui c'est qui a tué. Le nom de la personne. Dans la vidéo, on verra. Dans ma vidéo, on verra, je crois. Ok, c'est un mec du clan qui les a buté, c'est Bifou. Ouais. Donc lui, on va le ban définitivement du Mumble et du clan et de tout en fait. En fait, oh c'est peut-être. Ah bah, traitez-le. Ça, franchement, t'es un gamin. On le reporte tous. T'es un gamin. Il va se prendre un bug gratos. Mais tuez-le aussi, Bibu. Hein. C'est quel numéro? Si vous trouvez le numéro, je suis preneur. Oh putain, je me fais tirer dessus. Ah. Dans les collines, je crois. Il est où? C'est ce que j'ai dit. En plus, un gros cheater. Il est où le M107? Faut le ban, les mecs. Tout le monde qui s'est ramené, je suis sûr, le M107, tu vas pas le retrouver, je pense. Franchement, mec. Le M107, Faut trouver ce numéro combien. Vous faites tous un replay sur le mec qui jouera plus jamais de sa life. Dans les collines, le mec, dans les collines. Les collines derrière nous? Ouais. Quelqu'un peut me dire le nom du mec, s'il vous plaît? Exactement. Ouais, ok, on les flanque. Ils sont tous sur la colline, ils sont tous sur la colline. On les flanque sur la colline, venez, on les flanque sur la colline. Allez, on les défonce, c'est ça. Et moi, je vais suivre la colline, je vais arriver derrière eux. Vous pouvez me dire exactement. Faut qu'un équipe soit à gauche, on les flanque. Vous êtes à Norad Military? Ah, ils ont pas de flèche, les mecs. Ça, c'est ça en plus. Vous êtes tous à Norad? Vous avez report ou pas le mec? Vous l'avez report ou pas? Ouais. Non, j'ai pas trouvé son petit. Tout le monde est au hasard et on les aura. Ils sont où? Je vais arriver derrière eux si vous êtes à Norad. Hein. Je suis en train de vous connaître. Ils sont sur les montagnes de Norad, ouais. Ouais, on j'ai vu la taille d'une personne. Garde-le, faudrait que tu le bannes. Je peux pas le bannes, faudrait que tu regardes sur le mumble, tu le bannes. Je sais plus c'est quoi son nom. Ouais, je les vois. Je les vois. Hey, Greg. T'imagines oui, si les le... vois, il y a MTV Forest, Heroes. Oh, quel con, il y a un mec à Smallville, il est engagé, se fait tuer par. Je sais plus c'est quoi son pseudo, je me rappelle plus, c'est moi qui l'ai le en plus, ce connard. Il était full stuff. Ah, mais okay. On est 80 les gars et on est que 3. J'en ai tué un. GG à toi. C'est bon, je pense. Vas-y, on va les défoncer, on va leur rouler dessus. On est 80, je pense, c'est bon, on va refuser les gars. Ouais, désolé. Rechuler vers la montagne. On y va, les mecs. On est en train de. J'y suis, mec. À l'attaque. Les mecs, c'est qu'ils font ça juste pour casser des coups d'élan, c'est les gros blaireaux qui ont pas de vie sociale. Ça canarde encore, faites gaffe. Y'en a un peu plus haut que la première position. Ah putain! Oh, c'est quoi ça? Oh, les gens là! Qui ça? Sérieux là? Ok, là où on en a tué certains, y'en a un peu plus haut au niveau de l'autre colline en fait. De toute façon, y'a sa flèche, hein, donc on peut le repérer facile, hein. On peut pas s'enfuir. Hein. Non, depuis tout à l'heure, je parle avec le micro-mute. Attends, mais Bibou, il a pas été tué? Si, c'est moi qui l'ai tué. Ah. Oh. Ouais, il y a un shooter qui arrive de Smallville, attention. Si lui a mis une DK à la WAP, bim. Ah ouais? Un Donald. Ouais, shooter Smallville. Ok, bon, ça va, on est assez loin là. Aller de loin en plus. Oh là là. Par contre, je vois les flèches. Je commence à voir les flèches. Je commence à voir les mecs. Viens, il y avait un vaccin. Il y en a combien qui sont tombés du coup là tout à l'heure? Hydreco, je pense. Hydreco, tu vois. Attends, mais il peut pas parler. Il a été pris. Hydreco, c'est de là que ça tire. Reviens, je suis à Frosty. Ah, t'es mort, regarde. Ouais, c'est qui a besoin d'un vaccin, les gars?
C'est moi, je suis en train de sauter. Ah, mais c'est un cheater, c'était Tiens, t'es où? Vas-y, je vais sortir, je suis avec un castage. Tu vois quelque chose, Hydreco? De toute façon, je les reporte. Ou il y a une M4 qui est là. T'as bien fait. De toute façon, il va se faire bad, il croit que c'est intelligent ce qu'il a fait, mais au final, il va perdre un jeu. C'est qu'il y a un mec qui est tout en haut de la colline là, qui est tout seul. Hydreco, il allait spotter, ça tirait de là. Ah, ok, c'est ceux qui a les couilles, quoi. Je suis derrière toi, mec. Mais ça vous avait jamais été arrivé, ça. Bah dernière fois non, c'est bien passé, tu vois, parce que les gens ils étaient pas débiles quoi. Bah non, mais si vous me dites qu'il y a un autre clan qui vous court après, ça a jamais arrivé qu'il y a mettons qui ont décidé de se faire un personnage qu'on vous suit. Ça tire là, ça tire, pas le vaccin. Qui c'est qui tire là? C'est un con avec une chemise rouge. Je le vois pas. Non, c'est un mou, c'est un mou, c'est un mou. Bah parle à l'écrit, Golby, moi je peux pas quitter le jeu, c'est pas possible. Si je quitte le jeu, le truc il est mort donc. Bah, je sais pas, peut-être qu'il s'est déco, hein, le mec qui tirait de la colline. Sinon, on peut aller à. À West Station là West... Ouais, West Station. Vite fait, ouais, je pense que ça peut être une bonne idée ça. Ouais, c'est sympa, ouais. Bah, demi. Attends. C'est bien le serveur 6 là. Parce que là, on va où en fait? Moi je pose une Kimlight. Non, c'est bon, on t'a pas sélectionné, on va pas commencer à revenir là-dessus. On a sélectionné les gens qui ont muté au début. Qui c'est qui est pas, tout seul avec la flèche? Il y a un donc mec Golby, en dessous si de la tu veux nous dire quelque chose, tu mais viens oui, d'écrire. Mais oui, c'est Hydreco. Je le tue ou pas? Mais non. Non, non. Il a une flèche ou pas? Il a pas de flèche. Ah, il a pas de flèche. Red pardon. Red shooter. Ah bah on bute tous ceux qui ont ouais, pas de flèche. Marre, hein. Si t'es sûr qu'il y a pas de flèche, bah tiens. Il y a marqué Red Shooter. Attendez, je vais le tuer au cac. Je vais le tuer au cac. Je déconne pas, je vais le tuer au cac. J'arrive. Il me voit pas. Il a plein ventre, putain. Mais t'es où? T'es vachement loin, toi. T'es où? Regarde où je suis. Regarde, je vais te taper au cac. Attention. Mais t'es où, Cruz? Mais y'a, bouge. Il est en bas. Ah, attends. Ouais, d'accord, ok. Tiens, crève! Oui! Ouais. Allez, à moi! Oh non, c'est quoi non, le nom du clan? Pour c'est quoi, moi, excusez-moi. Le allô. Stuff est pour moi, allez vous faire! Les mecs, on va à West Station, vous allez à. Enfin, vous allez pas au bon endroit. Ouais, mais attends, il ramasse le stuff vite fait, puis on enchaîne. Ah, oui, d'accord. Forward Creep! Ah, y'a un Riot Shield. Allez, venez, je voulais ce colt. Allez, on se magne. C'est Noël. T'as regardé le nom du camp parce qu'il était écrit en bleu. Oh, ça tire là, c'est qui? Oh, ok, ça marche tout, garde là, c'est perso. Le Riochi 2, je vous le laisse, allez. Où ça? Attends. Ok, ça marche. Ah, j'ai un sacré casque là maintenant, hein. Ah ouais, qu'est-ce que le Power Ranger, quoi. Tu vois les flèches, garde ou pas? Ah, je l'ai cuté, lui. C'est pour ça que ça m'inquiète un peu. Ça, c'est pour toi, garde. Vers le nord, en fait. Là on est, ouais, non, on est vraiment au nord de Norad, quoi. Enfin au nord, ouais, si au nord, ouais. T'aurais dû regarder le nom du clan de Red Shooter là, c'était écrit en bleu pour savoir si c'était le clan qui est. Ah, j'ai saigné le par cochon. Contre, serait-il possible de me redonner mon stuff, une carré pack et tout ça, gilet et tout, M107 et tout ça. Donc, ouais, c'est là, sympa si ceux qui l'ont rien. Chopé, serait cool. Le pauvre. Quelqu'un, on sait qui a pris le M16 déjà. La M16, c'était pour qui? C'était pour toi, garde ou garde? Oui, je l'ai posé, je crois. Ça ne sera pas possible, je pense. Alors, c'est qui, Midnight, qu'on tire dessus? Ouais, regarde, on va te buter, Midnight, là. Non, c'était le commentaire de trop, grave. Bah, j'arrive, je suis la flèche isolée, là. Il est où, Midnight? Tuez-moi. Mais vous êtes sérieux? Il est sérieux? Il est un peu maso, en fait, c'est pour ça. Mais sinon, on fait un vote. 0 ou 1 sur le clan, et s'il y a beaucoup de 1, on le tue. J'aime me prendre moi, je vote 3. La démocratie, quoi. Mais le t-shirt bleu avec un. C'est par ici que je voulais derrière. Passer là dans les. Dans les. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Et un skull mask. Dans les fourrés, on va dire. Les fougères. Ouais. Non, c'est sérieux, faut vraiment le tuer, quoi. De qui tu parles? Bah, Midnight. Ah, non. On va le tuer quand même. Oh, je me disais, quoi. Midnight. Oh, c'est quoi ça? Sa carte en face. C'est moi, c'est moi. C'est toi qui tire, ok. Il est sérieux. Oh là là, t'es fou, toi. Il y a un autre aimbot quelque part là. Midnight qui flippait sa race. Cruz. On va pas Cruz, tuer Cruz, quand mais même. Cruz, wesh, bâtard. Ah, mais j'ai cru, hein, franchement. Non, c'est quelqu'un. Là, par contre, je sais pas qui c'est. Wow. Putain, vous êtes trop con, les mecs. Il y en a, ils tirent en l'air, quoi. Parce que vous faites les guignols, tu vois. Et puis t'as vraiment un mec qui va nous allumer. Vous allez mourir comme des merdes et vous en tirez tout bête. Si on pourrait leur donner le stuff, s'il vous plaît. Tu peux sauter sur place? Bah, je suis à l'arbre. Fais un salto pour prouver que c'est toi. Fais un salto, si tu fais pas salto, j'ai un doute, je te bute. C'est moi. Envoyez un message dans le vois pas, Gardener. Si vous avez récupéré le M107 à. Gardener. Ah, c'est toi qui es tout derrière? Si, je vais faire un plateau d'exécution au pire. Flyer, ça serait pas toi. Merci bien pour des antibiotiques. Ah, bah là c'est mieux, t'as ton t-shirt bleu, on te reconnaît. Ah, mais t'es tout là-bas. Merci Noob Mousse pour les antibiotiques.
Moi je peux t'avoir des painkillers mec. Allez, on donne tous quelque chose à garde. Si quelqu'un a un large pack ou quelque chose, ça serait cool. Ouais, son military surtout, ouais, j'avoue. Mais c'est quoi ce rassemblement là? Et tous autour de garde, faut plus qu'ils puissent bouger. Voilà, hop. Il y a un M9 Helmet mec. Il a disparu, hein, c'est ton seul qu'il avait mis. Non, mais en gros, je peux rien ramasser parce que bon. Parce que tu vois rien. Non, attendez, parce qu'il y a tout on va laisser un peu de place. Ouais, justement, attends, on va laisser un peu de place. T'as suivi des trucs quand même qui puissent s'équiper, un sac, etc. Sur la colline parce que bon. Ah, sur la colline. Ah, Minec qui tire. Si vous auriez le military, M107 et tout. T'es où, garde, je te. Pff, j'arrive pas à te trouver dans cette. Ah, je te vois. C'est bon, je te vois. Ah, attends, c'était une M4 ou une M4 Badger ? Non, c'est pas toi. Non, c'est pas toi, putain. Non ! T'es là, Cruz, t'as réussi à nous rejoindre, non ? Mais si, je t'ai même dit que j'ai saigné un mec là en dessous de la colline. Ah ouais, c'est toi le bourrin avec le marteau. Oui, okay. J'ai sorti le couteau, si le mec, je l'ai si vous avez le bourrin au couteau. Tout, là, je m'y tarie pas, gilet pare-balles. Parce que... Ouais, ça serait bien de jouer honnête, tu vois, parce qu'on n'est pas là pour se faire du stuff, etc. On est là pour passer soi-disant un bon moment ensemble, au normalement, pire, c'est pas pour faire des trucs comme ça, quoi. Moi, je suis là pour perdre du stuff, hein, perso. Je vois que t'as. Je fais peut-être ma voisine, donc j'en sais rien. Je vois qu'il y a The Fly 9R qui a un M107. Donc maintenant, est-ce qu'il en avait un avant ? Je sais pas. En même temps, si le gars l'a volé, il est pas assez con pour le prendre. Enfin, pour le sortir, ouais. Ouais, enfin bon. Ouais, non, mais bon, moi je. Ah, on sait jamais. J'essaye de voir le bon côté des gens, tu vois. Ah, ça existe mais... Ah, merde. Garde, si tu me fais un saut étoile, je te donne mon B82. 92. Un saut étoile. Non, mais ça, c'est bon, un saut étoile. C'est pour récupérer le military pack, pendant. Un petit ouais. Forest pour avoir. Faites tâter vite fait le compact. Ouais, arrêtez-vous. C'est vrai que ça, c'est assez énervant en fait. Arrêtez-vous, stop. Arrêtez d'avancer devant les mecs, s'il vous plaît. Parce que moi, là, Théo, garde. Je suis tout derrière. Vas-y, rejoins-nous. Moi, je préfère me décaler encore. À côté d'un mec avec un M4 auto. J'arrive. Je vais donner un truc. Il faut au moins gilet. Bon, je te attends, vois, garde bien. On a vu, je sais pas combien de mecs, il y a forcément des types là-dedans qui ont des trucs. Donc arrêtez de faire un bavard et passez sur stuff quoi. Tiens, garde, prends. T'as 3 mecs qui sont morts et qui étaient stuffés, donc il a forcément son équipement. Reste là, garde. Ah, ok. Par contre, on s'agglutine pas autour de lui. Il y a un 5-7 si tu veux, garde. J'ai que ça moi. Okay. Voilà, et c'est tout ce que j'ai, je suis désolé mon vieux. Hein. Ouais, t'inquiète. Ce serait bien que le mec qui a ramassé les G-Parbite, il y en avait 3 ou 4 qui sont tombés, ouais, qui gardonnent. Ouais, aussi M107 et les serveurs quoi. Moi ouais. je peux te passer un Ledger Forest, j'ai loot. Parce que là, ça, c'est un peu moyen déjà de se faire buter par un connard qui s'est infiltré, on va dire, entre guillemets, tu vois, un gros cheater en plus. Ouais. Enfin, un petit, hein, parce que bon. Un agent double. Un tout petit. Non, mais lui, il s'est fait report à mort là, lui, on le reverra plus jamais lui, de ouais, sa c'est life. Sûr, quoi. C'est clair quoi. Ah, il a fait la connerie de sa vie quoi. Et ça serait bien aussi d'équiper Gardeux, et parce que là je sais qu'il y en a parmi vous qui ont ramassé le ouais, M107, bah, le Militari, il y en a 3 qui sont morts, etc. Donc. Et tout, quoi, bah... Faudra Gardeux, arrêter de jouer un petit peu égoïste. Guerilla ou c'est bon bah non, on m'a pardonné de gilet. Sergent donc, Patate. Vas-y, viens. Attends, tu me vois? Je suis là. Ah, non, bah justement, je suis en train de. Mais là, de toute façon, Gardeux, rassure-toi, je suis à droite, je t'explique, ce qu'ils ont gagné, c'est que toutes les autres expéditions elles sont beaucoup plus sélectives, et que là, il y a moitié des gens qui pourront pas participer la prochaine fois, tu vois. Donc au final, c'est tant pis pour eux quoi. Merci, on essaie d'organiser des trucs sympas c'est et bon, vu que les bon, gens ils peuvent pas faire les choses normalement, bah tant pis quoi. Eh bien, Dan, les gars, y'a Flyer qui dit qu'il va passer le M107. Ouais, mais si c'est pas Flyer, c'est toi qui l'as. Ah, c'est bien, c'est sympa, franchement c'est sympa. Éloignez-vous, mais les deux s'éloignent et c'est un. Y'a moyen de reprendre le. Ouais, t'inquiète, je veux juste essayer de tirer vite fait avec. Non, mais les deux s'éloignent là, garde, tu t'éloignes, l'autre s'éloigne, et s'il y en a d'autres qui se rapprochent, on leur tire dessus. Ouais, grave, ça marche bien. Tout simplement. Bah, Flyer, va lui rendre le M116 s'il te plaît. T'es où, Sopra? Oh. Golby, je tire quelques gaffes et je te la ouais, passe. Ouais, vas-y. Golby, les gars, je t'inquiète. Je suis à la safe avec ma team en fait. Bas de la et colline, Flyer, il est en bas de la colline. Flyer, faire. Tu descends. Et quoi? Il y a 4 mecs au snipe en fait. Tu les vois? C'est la safe, il y a une team de je sais pas, ils doivent être presque 10. Il y a 4 snipes. Tu sais que ça fait un peu business de drogue tout ça là? Genre ambiance. Et on surveille au loin faire. Et tout. Ils sont dehors. J'arrive bien que la transaction se passe correctement. Trafic de drogue. Vas-y, c'était où? J'arrive à la safe, je suis à Clairvue.
Je fais marave pour un cheater à ce moment-là, putain. Fais gaffe quand tu viens. Je peux pas ramasser. Ouais, faut que quelqu'un. Attends, j'étais quoi, vas-y, t'es quoi, je m'en bats les couilles, vas-y. Tiens, je vais te passer mon large pack. Mais tu sais que sur les forums. Large, attends, tu peux plus marcher ton médium ou pas? Non, tu peux pas, merde. Non, bah non, tu peux pas. Quelqu'un a un small ou n'importe quoi, un petit. Moi un je, truc lui donner, en trop. Je lui donner mon médium, j'y vais rien. Attends, je m'avance, j'ai un small. N'importe quel sac en trop, tu vois, comme ça je l'échange, moi je prends le small, je m'en bats les couilles. Tiens, c'est bon. Hop, parce que moi, Donald, tiens, le large, je l'ai chopé. Alors, sur le mec, reculez les autres, reculez. Ouais, reculez tout le monde, s'il vous plaît, reculez les mecs. Mais j'ai envie de tester, mais je sais pas s'ils sont dedans ou dehors, c'est chiant. Bon, par contre, j'ai perdu tout mon inventaire avec. Bah, j'essaie un petit peu de voir aussi, ouais. C'est bon, hein. Attends, je vais prendre ton médium quand même, ça sera un petit peu mieux. C'est, même si je peux pas le ramasser, ouais. Niveau bouffée flotte, t'as ouais, ce qu'il faut garder. Sa mère. Nique sa maman, pour être poli. Bah, c'est... Quelle politesse. Ouais, y a plein de stuff à cœur. Pour ceux qui veulent boire, là, moi je veux bien, j'ai du stuff, j'ai fait exprès d'en ramener pas mal. Je suis. Tiens, garde, vas-y, garde, reste, j'ai tué un peu de stuff que t'as laissé partir, c'est bien en fait. Par contre, j'ai plus de balles, tu peux boire. Je suis déjà clair. Si y'a quelqu'un qui est vraiment raté. Ouais, t'as raté.